Je suis ici à Yamoussoukro. Nous allons vous parler aujourd'hui du transport, transport urbain. Il n'est pas très développé, il n'y a pas de bus urbain, mais beaucoup plus ce sont des taxis. On voit beaucoup de taxis ici. Donc les citoyens, les habitants de cette ville utilisent beaucoup plus les taxis. Mais un seul inconvénient, c'est comme Alger, au niveau de la capitale, c'est le chauffeur de taxi qui décide de l'itinéraire. Vous n'avez pas à choisir vous, c'est que quand il passe, c'est comme Alger, c'est à lui de vous indiquer l'itinéraire, mais pas vous. Voilà, là nous voyons cette dame, depuis tout à l'heure qu'elle était là, elle attend chaque fois qu'il y a un taxi qui passe. Voilà, alors voilà, monsieur, madame, ok. Attendez, on va voir, parce que c'est... Voilà. Attendez, là, là il ne s'arrête pas, le taxi, l'autre. Nous allons essayer de suivre ce taxi. Va-t-il s'arrêter? Non. Il passe. Voilà le nord de urbain. Attendez. Voilà les fourgons qu'on peut y trouver ici. Il a ramené la machine. Il est là, il s'arrête parce que c'est un nouveau marché qui vient d'être créé. Alors nous allons voir, regardez. Voilà, c'est pas la même destination, donc ils sont là. Voilà, un autre taxi qui arrive maintenant, la deuxième. Voilà. Je discute. Non, c'est pas la bonne direction qu'il prend. Voilà, encore là, une deuxième. Voilà, c'est la même direction. Donc, le monsieur monte. Mais la dame toujours. De la destination. Donc, il y a un qui monte, un deuxième monte. C'est pas la même destination. Voilà. On va voir maintenant. Voilà. Le bonhomme lui indique la destination, mais le chauffeur non, c'est pas là. C'est pas la bonne destination du taxi.